Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est Abu Doujana. Donc tapez ça sur YouTube pour obtenir ma chaîne YouTube, inshallah. Donc demandez aux gens de taper ça. Et voilà, donc là j'ai fait une vidéo pour enseigner la prière aux débutants. Donc pas de polémique, hein. Donc je vais faire la base, hein. Donc je sais qu'il y a des divergences, il y a des actes obligatoires, pas obligatoires, sunna et tout ça, donc 3 fois, 7 fois, 10 fois, etc. Le doigt si on le bouge ou pas, si on le met tout droit et tout ça. Je fais ce qui est le plus courant. D'accord, inshallah. Voilà, donc comment ça va se passer? Donc déjà, il y aura 2 rak'at. Donc une rak'a, c'est un ensemble de mouvements. Et pour prier, quelquefois on a 2 rak'at, 3 rak'at et 4 rak'at. Voilà, donc dès que vous saurez faire 2 rak'at, vous serez capable d'en faire 2, 3 et 4. Donc pour ça, donc il suffit d'expliquer 2. Et après, à la fin, je vais vous expliquer comment répartir ces rak'at pour faire toutes les prières. Parce qu'il y a 5 prières, Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha. Et chaque prière est différente. Et en fait, on utilise les mêmes combinaisons de mouvements. Voilà, donc vous allez voir, c'est très simple. Mais ça prend un peu de temps. Une fois que vous les aurez apprises, ça sera facile, Inch'Allah. Voilà. Donc ça d'une, de deux. Je vais utiliser les sourates, sourate al-Fatiha et sourate al-Ikhlas. Donc sourate c'est des chapitres dans le Coran. Donc sourate al-Fatiha, sourate al-Ikhlas, je vais les mettre en phonétique. Pourquoi en phonétique? Parce que la plupart de ceux qui connaissent pas la prière, ben, ne savent pas lire l'arabe. Donc je vais mettre en phonétique, Inch'Allah. Il y a ça. Et de deux, voilà, donc je vais mettre un petit i en haut à droite pour pouvoir apprendre les sourates. Donc petit i en haut à droite, qui va renvoyer à chaque fois vers les vidéos de ma chaîne YouTube sur Sourate al-Fatiha et Sourate al-Ikhlas pour ceux qui veulent l'apprendre avec Al-Hamidi, Abdallah Al-Hamidi. Donc voilà, donc et aussi je vais pas traduire les sourates. Donc petite précision, dans toutes les sourates que je vais mettre sur ma chaîne, je ne traduirai pas parce que comme dit l'adage, traduire c'est trahir, donc encore plus avec le Coran. Donc en arabe, un mot peut dire plusieurs choses, donc je préfère ne pas m'avancer. Vous allez voir vos traductions, vous allez voir les exégèses comme Tafsir al-Kathir, Tafsir Sheikh Saadi, Tafsir Jalalayn, Tabari, ils sont en français, donc allez les voir eux pour comprendre les sourates. Mais là, moi je vais juste mettre la phonétique pour que les débutants puissent apprendre, donc aussi bien les convertis que vos enfants. Voilà, Inch'Allah. Donc on commence. Donc on commence par ce qu'on appelle Takbiratu al-Ihram, donc de sacralisation. Al-Ihram, la sacralisation, donc c'est un pilier de la salat. Donc si on ne fait pas ça, la prière n'est pas valide du tout. Donc on dit Allahu Akbar. On met les mains au niveau des oreilles ou au niveau des épaules et après on les met au niveau de la poitrine ou un peu plus bas. On met la main droite sur la main gauche et on dit Allahu Akbar. Donc faites très attention, on dit Allahu Akbar sans prolonger le A. On dit Allahu Akbar, pas Allahu Akbar. Parce que beaucoup de gens font la faute. Quand ils font l'adhan, c'est catastrophique parce que Akbar, c'est le pluriel de qabr, donc c'est le pluriel de tombe, la tombe là, dans le cercueil, le cercueil dans le cimetière. Donc Akbar, c'est le pluriel. Donc si tu dis Allahu Akbar en prolongeant, en fait, tu auras insulté Allah. Donc quand on fait l'adhan, on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, point, on prolonge pas. Parce que beaucoup de gens prolongent pour vouloir faire beau, mais en fait ils ont modifié le mot et ils insultent Allah. Donc faites très attention. Allahu Akbar. Point. Après on continue. Donc là on va faire la première raka. Donc une raka, c'est composé de plusieurs mouvements. Déjà, on doit réciter la Fatiha. Sourate al-Fatiha, c'est un chapitre du Coran, sourate numéro 1. Et donc en fait la Fatiha, elle se retrouve dans les 4 rakas. Dans la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. La Fatiha est toujours présente. Voilà. Donc petit i en haut à droite, tout de suite en haut, pour pouvoir apprendre avec la vidéo de Sourate Al-Fatiha. Et là, on commence. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Voilà, donc
Là, ça c'est la Fatiha qui se retrouve dans les 4 rakats. Donc je vous précise, c'est mieux d'apprendre l'arabe. Hein. La phonétique, c'est vraiment pour commencer à prier. Mais après, il faut vite apprendre l'arabe parce que autrement, vous allez être handicapé toute votre vie. Donc il faut apprendre l'arabe. Parce que de toute façon, dans tous les cas, un jour, vous devrez apprendre l'arabe et recommencer toutes les sourates. Donc beaucoup ont fait cette faute. Donc essayez d'apprendre l'arabe le plus vite possible. Et apprenez le Coran avec quelqu'un qui s'y connaît. C'est pas parce que quelqu'un connaît, sait lire le Coran qu'il connaît les règles de tajwid et tout ça pour bien réciter. Voilà. Donc là, la Fatiha. Et après, pour les deux premiers rakats, on rajoute une sourate. Donc là, c'est j'ai pris sourate Al-Ikhlas. Petit i en haut à droite qui renvoie vers ma vidéo sur sourate Al-Ikhlas. Et on commence. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Voilà, donc là c'est la deuxième sourate. Donc elle a une grande valeur. Donc elle vaut un tiers du Coran en récompense. Donc si on la récite trois fois, c'est comme si on a, en récompense, c'est comme si on avait récité tout le Coran. Donc c'est bien d'apprendre. Si on la récite 10 fois, Allah nous construit un palais au paradis. Donc c'est très important de connaître cette sourate. Sourate numéro 112. Donc ça, c'est pour les deux premiers rakats. La première et la deuxième. Et pour la troisième et quatrième, il n'y a pas de sourate. Voilà, il n'y a que la Fatiha. Donc j'espère que c'est clair. Donc vous prenez la sourate que vous voulez, il y en a 114. Hein. Bah, c'est plutôt, on va pas faire deux fois la Fatiha, mais voilà. Donc, il y en a 113 dans votre choix. Donc après, on dit Allahu Akbar et on fait une génuflexion, un rokoua. Et on dit Subhan Rabbil Azim wa bihamdihi trois fois. Subhan Rabbil Azim wa bihamdihi. Subhan Rabbil Azim wa bihamdihi. Subhan Rabbil Azim wa bihamdihi. Donc, gloire à mon Seigneur le Très-Haut ainsi que sa louange. Donc, wa bihamdihi. C'est sunna, ça veut dire rajouter en plus. On peut dire Subhana Rabbil Azim tout court. Mais si on rajoute wa bihamdihi, ça ne mange pas de pain, comme dirait l'autre. Hein. Et ben en fait, ben vous avez plus de récompenses. Donc ce n'est pas fatigant et vous avez plus de récompenses. En plus, subhanallah, il y a un hadith, une parole du Prophète qui a dit des paroles légères dans la langue et qui sont lourdes dans la balance. Et très aimé du très miséricordieux, subhanallah bihamdihi, subhanallah al-azim. Donc là, c'est pas lourd de dire wa bihamdihi. Donc on dit subhanallah al-azim wa bihamdihi. Par contre, la traduction, c'est pour ça que j'aime pas traduire. Gloire à mon Seigneur, c'est trop faible. Donc c'est mieux parce que subhanallah, en fait en arabe, c'est at-tanzihullahi min kulli uyub wa kulli naqsa. C'est-à-dire en fait purifier Allah de tout défaut ou toute faiblesse. C'est-à-dire qu'Allah, il ne sait en fait Allah n'a pas faim, n'a pas soif, n'est pas fatigué, il n'est pas soumis à l'oubli ou à la paresse et tout ça. Donc ça, c'est des manquements et des faiblesses, et on dit qu'Allah ne les a pas. Quand on dit Subhanallah, c'est ça qu'on dit en fait. On dit pas juste gloire à Allah. Ben là, ils ont dit gloire à mon Seigneur, mais bon, c'est pour résumer. Voilà, vous comprenez mieux pourquoi je ne veux pas traduire le Coran. Voilà, donc là, juste pour une phrase, on ne peut pas traduire. Donc on dit Subhanallah bil-Azim wa bihamdihi, ou bien Subhanallah bil-Azim. Trois fois. Après, on se relève. Et en se relevant, tout en se relevant, on dit Sami Allahu liman hamida. Donc je répète tout doucement, Sami Allahu liman hamida. Ça veut dire Allah entend celui qui le loue. Tout en se relevant, et une fois qu'on est debout, on dit Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Notre Seigneur, à toi la louange. Et après, on dit Allahu Akbar, et on se prosterne. Sur les sept membres, le nez, le front, les mains, les pieds, les genoux. Voilà. Et après, on dit Subhana bil A'la, gloire à mon Seigneur le Très-Haut. Donc, toujours traduction approximative. Hein. Trois fois pareil. Subhana bil A'la, Subhana bil A'la, Subhana bil A'la, Subhana bil A'la. Et après, on dit Allahu Akbar et on se met sur les genoux. On s'assied. Et là, on dit Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. Deux fois. Mon Seigneur, pardonne-moi. Et après, on dit Allahu Akbar. Et après on recommence. Subhanallah al-A'la, Subhanallah al-A'la, Subhanallah al-A'la. Et après, on dit Allahu Akbar. Et là, au choix. Donc là, c'est une sunna. Soit on s'assied et après on dit Allahu Akbar et on se lève. Ou bien on dit Allahu Akbar et on se lève directement. Mais c'est bien de s'asseoir parce que c'est une sunna. C'est-à-dire en fait, on gagne des hasanat. Ça s'appelle jalsatul al-istiraha.
c'est-à-dire de repos. Donc il y a des divergences, il y en a qui disent que le processeur le faisait parce qu'il était fatigué ou pas, voilà, il était malade ou tout. Bon bref, mais le mieux, bah, c'est de le faire, toi. Donc si tu le fais, t'es plus récompensé. Mais si tu le fais pas, c'est pas grave, y a pas de péché, quoi. Voilà. Donc tu peux te relever directement, ou bien tu le fais. Et après, une fois que tu es debout, on passe à la deuxième raka'a. Donc la deuxième raka'a, comment ça se passe? C'est la même chose. Donc la Fatiha, petit i en haut à droite qui renvoie vers la vidéo de la Fatiha. Et voilà, donc comme on est dans les deux premières rak'as, ça sera Fatiha plus une sourate. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Donc Fatiha plus une sourate. Petit i en haut à droite qui renvoie vers la sourate Al-Ikhlas. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Voilà, donc vous avez bien compris, pour les deux premières rakat, sourate, Fatiha plus sourate. Et après, pour les deux dernières, il n'y a que la Fatiha toute seule. Et après, on fait Allahu Akbar. On fait le recours et on fait comme tout à l'heure. Subhanallah al-Azim wa bihamdihi. Subhanallah al-Azim wa bihamdihi. Subhanallah al-Azim wa bihamdihi. Et après on se relève. Tout en se relevant, on dit Sami Allahu liman hamida. Et une fois debout, on dit Rabbana wa lakal hamd. Et après on dit Allahu Akbar. Comme tout à l'heure, on se prosterne. Subhanallah al-A'la. Subhanallah al-A'la. Subhanallah al-A'la. Voilà. Et après, on se relève, on dit Allahu Akbar, on se met sur les genoux, Rabbi Ghafirli, Rabbi Ghafirli, et on recommence, Allahu Akbar, on se prosterne, Subhanabil A'la, Subhanabil A'la, Subhanabil A'la. Donc voilà, donc en fait, c'est des phrases à connaître par cœur qui se répètent. Et après, on dit Allahu Akbar, et comme c'est la deuxième raka'a, à la deuxième raka'a, on fait ce qu'on appelle At-Tashahhud. Donc en fait, vous levez le doigt. Donc il y a des divergences, il y en a qui ne lèvent pas, il y en a qui tournent, il y en a qui lèvent de haut en bas, moi je fais de haut en bas, voilà, etc. Donc il y a divergences, je vous renvoie vers les livres de jurisprudence et vers quelqu'un qui s'y connaît. Donc moi je ne rentre pas dedans, donc en fait, vous faites comme sur la photo. Donc après, moi j'ai différencié, il y a deux tashahhud. Premier tashahhud, deuxième. Donc le premier tashahhud, c'est celui qui est au bout de deux rakat, sauf pour Subha. Donc, c'est celui qui se retrouve entre deux groupes de deux. Donc en fait, le premier, c'est At-Tashahhud, ça veut dire At-Tahiyatu lillah, Salawatu wa Tayyibatu, etc. Et As-Salat ala Nabi. En fait, on fait dua pour le prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc si je dis wa alihi, c'est pas parce que je suis chiite, parce que voilà, c'est bien parce qu'on aime la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc sallallahu alayhi wa sallam, voilà, donc Salat ala Nabi. Donc là, c'est si on veut. Parce que là, au bout de deux rakats, on n'est pas obligé. Donc on rajoute Salat ala Nabi si on veut. Mais on peut faire un tashahhud tout court. D'accord? Et là, ce qu'on appelle le deuxième tashahhud, c'est en fait toujours At-Tahiyatu lillah, Salawatu Tayyibatu et tout ça. Et là, ce coup-ci, on rajoute As-Salat ala Nabi. Voilà. Donc pour savoir comment on les prononce, je vais faire des vidéos, Inch'Allah, et après je les mettrai en fin d'écran quand ça le moment voulu, Inch'Allah, et en description en fin de vidéo. Mais pour l'instant, vous pouvez aller voir dans des livres. Donc les livres qui sont connus, c'est La Citadelle du Musulman. Voilà, donc voilà. Je ne sais pas si tout est authentique, mais au moins, ce qui est bien, c'est que on a la phonétique. Donc français, arabe, phonétique. Pour ceux qui savent pas lire l'arabe, c'est pratique. Donc il y en a plein. Et ce qui me fait rire, c'est qu'ils en ont même fait des couvertures roses pour les filles. Donc voilà. Donc il y a des couvertures roses pour les filles. La Citadelle du Musulman. Voilà, donc ça c'est pour apprendre. Donc quand vous allez voir dans ce livre,
Il y a plein de choses à apprendre. Donc, comment, qu'est-ce qu'on dit avant de manger, après manger, avant de dormir, après dormir, quand on voit quelque chose qui nous fait peur, ou quand on tombe, quand on prend sa voiture, etc. Et notamment, ce qu'on dit lorsqu'on prie. Donc, chaque mouvement, il y a le texte qui doit être dit. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs textes différents qu'on peut dire plus ou moins longs. Voilà. Et autrement, moi, ce que j'aime bien, c'est Sahih al-Adhkar de Sheikh Al-Albani. Voilà. Donc, avec l'authentification de Sheikh Al-Albani. Donc, là-dedans, c'est authentifié par Sheikh Al-Albani. Et il y en a d'autres qui sont en plus. Donc, qui ne sont pas dans la citadelle du musulman. Donc, je recommence. Citadelle du musulman en rose pour les filles. Et Sahih al-Adhkar, bah, il n'y a qu'une couleur. Hein. Désolé, les filles. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a fait sourire. Et oui, je rigole toujours. Donc voilà, donc là c'est pour le tashahhud. Et après, une fois que vous avez fait le tashahhud, qu'est-ce que vous faites? Vous tournez la tête à droite et vous dites Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À droite. Et après, à gauche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc maintenant, vous savez faire deux rakats. D'accord? Une fois que vous avez fait deux rakats, il faut savoir comment les répartir dans les prières. Et voilà, on arrive à ça. Regardez comment c'est bien. Donc, les différentes prières. Donc, il y a Salat Subh. Salat Subh, c'est celle du matin, de l'aube. Donc, vous faites deux rakats. Celle-ci, il n'y a que deux rakats. Deux rakats à voix haute, et là, avec une sourate, comme tout à l'heure. Sourate Al-Fatiha, plus une sourate. Donc, celle de votre choix. Il y en a 113. En plus de la Fatiha, ça fait 113 à se répartir pour rajouter. Donc vous faites celle que vous voulez, mais sourate al-Fatiha, ou au moins un verset. Vous pouvez faire juste un verset. Donc ça suffit. Donc deux rakat, plus le deuxième tashahhud, c'est-à-dire avec as-salat ala nabi, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Voilà, et après, on a deux autres prières, salat dhuhr, vers midi, et sourate al-Asr, on va dire en ce moment, c'est 2-3 heures après, quoi. Mais en fait, ça dépend. Donc voilà, Sourate ad-Dhuhr et Sourate al-Asr, la deuxième et troisième prière. Mais ces deux-là, elles se ressemblent. Elles sont constituées de quatre rak'at. Il y en a deux à voix. Bah, elles sont toutes les quatre à voix basse. Donc celles qui sont dans la journée, elles sont à voix basse. Et celles qui sont quand il fait nuit, par exemple le matin, al-Maghrib et l'Aïcha, il y a de la voix haute. Donc dans la journée, c'est voix basse. Donc les deux premiers rak'at à voix basse, c'est Sourate al-Fatiha plus une sourate, comme tout à l'heure. Plus le premier tashahhud, c'est-à-dire avec ou sans salat ala nabi, sallallahu alayhi wa sallam, comme vous voulez. Mais tashahhud. Donc je vous renvoie vers les livres ou les vidéos, vous tapez sur YouTube, tashahhud, vous allez voir. Mais c'est bien le livre, toi. Et après, on fait deux rakat, toujours à voix basse. Et là, on fait juste la fatiha. Donc fatiha toute seule, sans la sourate. Voilà, al-fatiha. Et après, on fait le deuxième tashahhud. Et ce coup-ci, on est obligé de mettre sa salat ala nabi. Donc, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barik ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Fil alamin, naka hamidul majid. Il y a quatre versions. Donc, vous prenez celle que vous voulez. Voilà. Donc, je ne rentre pas dans les points de jurisprudence. Donc, là, voilà. Donc, il y a quatre rak'at pour Dhuhr et l'Asr. Deux et deux. Et séparés par des tashahhud. Le premier, sans salat ala nabi. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez le rajouter. Et deuxième, avec salat ala nabi. On continue. Et là après, on a ce qu'on appelle Salat al-Maghrib. Donc, c'est-à-dire du Maghreb, c'est-à-dire le coucher du soleil. Voilà. Donc là, il y a trois rak'at. Deux plus une. Deux à voix haute. Donc les deux premières sont à voix haute. Comme tout à l'heure, une sourate avec la Fatiha. Fatiha plus sourate. Après, premier tashahhud. Et après, une rak'a. Mais ce coup-ci à voix basse. Et là, sans sourate, donc juste avec la Fatiha. Donc Fatiha sans sourate, et après deuxième tashahhud, comme d'habitude. On finit toujours avec le deuxième tashahhud, c'est-à-dire avec la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en fait, la prière, en fait, on invoque Allah qu'il bénisse le prophète sallallahu alayhi wa sallam et toute sa famille. D'accord? Voilà, donc ça c'est Salat al-Maghrib. Et pareil, Salat al-Isha, ça c'est la prière de la nuit, la toute dernière. Donc il y a quatre rakats, donc deux et deux. Deux à voix haute et deux à voix basse. Donc deux Fatiha plus sourate à voix haute et deux voix basse Fatiha sans sourate. Donc Fatiha toute seule. Voilà, avec le tashahhud qui les sépare. Premier tashahhud avec Salat ala Nabi si on veut.
Et la deuxième, avec Salat al-Nabi. Et ben voilà. Donc on a fini. Donc maintenant, normalement, tu sais prier. Donc, comme je t'ai dit, hein, je te renvoie vers les deux livres. Hein. Je vais reculer en arrière pour que tu revoies les livres. Donc, la citadelle du musulman, ou bien Sahih al-Adhkar, tu vois. La citadelle du musulman. Voilà, donc tu les trouves partout, hein, dans les librairies islamiques, ou même sur Amazon, tu vois. Ikra Shop et tout ça, t'en trouves partout sur Internet. Et voilà, et Sahih al-Adhkar. Donc, voilà. Donc, comme d'habitude, hein, aime, je te demande d'aimer la vidéo. Donc, en fait, pourquoi tu aimes? Parce que quand tu aimes, en fait, ça monte dans les recherches, et comme ça, les gens la verront plus. Abonne-toi pour revoir les nouvelles vidéos, tu verras. Donc, je rajouterai du dhikr, comme on dit, Astaghfirullah, Alhamdulillah, Subhanallah, etc. Donc, j'ai mis la shahada. Donc, là c'est la prière. Et voilà. Donc, et partage, parce qu'en fait, plus tu vas partager, plus tu seras récompensé. Donc, voilà, Inch'Allah, si on cherche la face d'Allah, il faut partager à grande échelle. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh.